Bonjour, je m'appelle donc Arnaud Nazaraga, je suis né à Paris, j'ai un atelier d'art, je suis un artiste qui fait de la sculpture peinte. Mon atelier se trouve en Thaïlande, à Bangkok, et la Fondation Saint-Exupéry m'a demandé de créer des collections en couleurs et surtout des collections adaptées pour les non-voyants qui ont été présentées à Hong Kong. Ces collections ont été présentées en 2015. Voilà. Certains peut-être d'entre vous les ont déjà vues. Donc pour moi, le challenge, c'était de créer quelque chose qui était inspiré d'une œuvre littéraire, où il y avait bien sûr des dessins, et d'arriver à retransmettre l'énergie, la spiritualité du texte au travers de sculptures. C'était ces sculptures qui étaient présentées à Pacific Place pour Noël 2015. Je travaille la sculpture depuis l'âge de 18 ans et c'est cette œuvre qui a été réalisée pour en fait être adaptée pour les non-voyants me permettait de pouvoir exprimer un texte pour des gens qui n'ont pas accès au dessin. Et l'idée de la Fondation Saint-Exupéry, c'était vraiment de pouvoir rendre accessible le livre au plus de gens possible. Le livre aujourd'hui a été traduit en 300 langues et dialectes, y compris le braille. Le braille a été fait pour le français et pour l'anglais, récemment en coréen. Et donc ce livre a été traduit dans un nombre de langues et de dialectes vraiment de très nombreuses fois. C'est le livre le plus traduit après la Bible. Voilà, donc ça c'était une courte présentation de mon travail. Maintenant, je voudrais donner la parole à Michelle Chan, qui est l'illustratrice avec Aria Liu, qui vous a fait un dessin tout à l'heure et qui est, toutes les deux, ont fait une version cantonaise. Hey, 系，大家好，你好。咁我就會用廣東話嚟同大家分享嘅，因為我見台下所有大部分嘅人都係香港人啦，咁所以就用廣東話會親切少少，同埋希望都唔會難到呢個翻譯者啦，因為我都會用啲比較本土嘅語言去解釋呢本書嘅依一個香港人嘅角度。Puisque donc dans la population il y a beaucoup de des gens locaux, donc je vais utiliser le cantonais puis traduire en français. Donc nous avons vient de recevoir donc une version cantonaise du livre Petit Prince. Donc aujourd'hui je vais venir d'un point de vue un peu plus culturel pour que vous puissiez le comprendre et quelle est la différence entre cette version cantonaise par rapport aux autres 300 autres versions du livre. Et d'abord, je vais introduire brièvement donc notre équipe. Donc le traducteur s'appelle Thomas et il n'est pas justement à Hong Kong. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est à Lyon. Donc il est en voyage à Lyon. Justement, c'est les lieux de naissance de l'auteur du Petit Prince. Donc, moi, je m'appelle Michel. Et donc, à côté, c'est aussi illustrateur. Donc, tout d'abord, je vais. Donc le contenu dont on parle souvent. Le contenu, en fait, c'est possible. Donc, d'une façon surprise. Donc, parmi les 30 premières langues populaires du monde, même si le cantonais n'a pas une écriture de principe ou un système d'écriture qui n'est pas standardisé, mais en fait, un système de communication verbale est très mûr.
et il est aussi entièrement dans les langues, donc ce n'est pas simplement un dialecte. D'un point de vue linguistique, il est entièrement une langue entière, pas entière. Mais en fait, malheureusement, beaucoup de gens considèrent que le cantonais c'est uniquement un dialecte, mais pas une langue à part entière. Donc, bien sûr, pour certaines raisons, mais les raisons, on peut peut-être les étudier, mais simplement, je vais m'exprimer que le cantonais pour la Hong Kong est très important. Et derrière, vous avez vu deux graphes qui montre bien l'importance du cantonais pour les gens de Hong Kong et aussi pour un territoire. Et donc, c'est un produit culturel très important. Donc, particulièrement, je vais voir. Donc, c'est un enseignant norvégien qui enseigne le cantonais aux gens. Donc, il dit que, en fait, le Hong Kong sans cantonais, ce n'est pas Hong Kong. Donc, nous, on doit considérer que quelle est la valeur du cantonais pour nous, les gens de Hong Kong. Je vais parler en fait du livre du prince Petit Prince. Donc, il y a aussi un dessert appelé Petit Prince. Donc, aussi utiliser ce thème de Petit Prince comme un restaurant. Donc, bien que ce restaurant est fermé, mais ce n'est pas grave, vous voyez bien que les desserts se servent de ce thème Petit Prince. Et derrière, en bas, vous avez aussi un endroit de théâtre pour des performances. Donc, personnes et étrangers de Petit Prince. Dans notre livre, donc, quelle est l'importance ou quelle particularité de ce livre? Donc, je l'ai dit, le cantonais pour nous, c'est très important. Et Thomas essaie de protéger le cantonais. Il a particulièrement, dans cette collection, rajouté une section pour ce qu'on appelle les étrangers, pour comprendre le cantonais. Donc, en se basant sur l'anglais. Mais là aussi, avant, on a utilisé le cantonais pour expliquer. Utiliser donc les phonèmes, l'histoire du cantonais pour que nous comprenons le cantonais aussi pour que les étrangers puissent comprendre un peu mieux le cantonais. Donc c'est quelque chose pour nous, pour les collecteurs. Et en fait, Thomas fait beaucoup de collections, il aime bien collectionner les livres du Petit Prince. Et le Petit Prince a été traduit en 300 langues. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de voyageurs de travers le monde font la collection du livre Petit Prince. Nous aussi, nous aimerons en fait satisfaire ces collecteurs comme un souvenir pour ces collecteurs-là. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel nous souhaitons nous focaliser. Donc, à l'intérieur, quels sont les éléments pour que nous, à l'intérieur, pour représenter visuellement ce livre? Donc, Ariel a dessiné la plupart de ses illustrations. Donc, c'est l'œuvre de Aria. Donc, ça, ce sont quelques exemples. En fait, utiliser le couleur vivre de peinture à eau qui s'approche de l'auteur, en fait, initialement, le style de l'auteur initial pour exprimer l'histoire. Mais en fait, parmi... Donc, on a également affiné un peu. Donc, le côté droit, donc, c'est le Petit Prince sans contexte. Et que Ariel a transformé, en fait, le contexte en une ambiance nocturne. Donc, ça, c'est une illustration pour le livre. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi une atmosphère nocturne. Donc, en fait, ça, c'est une illustration, c'est moi qui ai dessiné. Donc, je vais vous montrer une vidéo rapidement. Donc, comment je dessine tout le parcours de mon dessin.
Donc voilà. Donc est-ce que vous voyez? Donc, donc je vais continuer à parler. Donc, pourquoi je vais utiliser donc, la vie nocturne de Hong Kong qui est très connue lorsque je dessine en fait le Petit Prince. Donc je veux que ça approche de la réalité. Je veux que tout le monde sent que son arrivée à Hong Kong, donc ça sort des dessins simples du livre. Donc il est arrivé parmi nous et à côté de nous, à notre proximité. Donc en réalité, il semble être vrai. Et en plus, et les étoiles se rapprochent plus de l'état initial du livre. Donc, ce sont des inspirations avec lesquelles je dessine cette illustration. Voilà, donc je l'ai faite. Donc là aussi, c'est mon œuvre également. Donc en basant sur l'inspiration de... donc un serpent qui a avalé donc, un éléphant. Donc là aussi, utiliser le contexte de Hong Kong. Donc voilà ma présentation. Donc pour dire que tous, on est tous voyageurs, on est collectionneurs, on est adultes. Et voilà, au sein de nos cœurs, il y a toujours un petit prince. Voilà, donc je m'arrête ici. Mkoy. Maybe I ask you some question. How did you meet first time the Little Prince? What do you mean by first time? Sorry? First time, how did you get to know the Little Prince? Ah, yes. 咁我講翻廣東話啦，係啦。咁其實我喺中學嘅。Je vais continuer à parler en cantonais. Donc déjà aux études secondaires. J'ai rencontré le Petit Prince, mais pour moi, la première lecture n'était pas très, très fort. Et tout les paraboles qui se trouvent à l'intérieur de ce livre, donc c'était pas, ça n'a pas marqué. Enfin, et depuis la version cantonaise est sortie, là je l'ai revu. Donc il m'arrive de pleurer même à la fin. Donc à chaque étape que je lis le livre du Petit Prince, donc j'ai des sentiments un peu différents, même parmi les auditeurs en bas. Donc à chaque lecture nous procure un sentiment particulier. Donc ça c'est vraiment la magie du Petit Prince. Okay, and regarding the drawing, so you decided to be very close to the original drawings. And transform a bit the drawing by a deeper color. And why did you choose also to change? I mean, to keep the same tone, but darker and deeper. Maybe Arya can answer. Yeah. 其實我喺畫呢個小王子嗰陣，其實因為原本係想用翻自己嘅嗰種 style。J'utilisais le style。Mais c'est comme j'ai le traducteur, parce qu'il veut essayer de suivre la copie d'origine, donc ce qu'il m'a dit en fait de suivre donc les cours en fait l'original du livre, donc la copie d'origine du Petit Prince, donc les dessins sont un peu plus simples et les couleurs sont pas très foncés, donc ça donne une certaine un petit goût ennuyeux. Donc c'est pour ça que la raison de faire illustrer, c'est utiliser une sorte de peinture et utilisant les couleurs vives pour essayer de ramener le bonheur aux gens de Hong Kong. Thank you. And you, how did you discover the Little Prince? How did you first get the book in your hand?
Maman m'a donné beaucoup de livres et donc à l'époque, pour être très sincère, je ne comprenais pas du tout parce que Le Petit Prince racontait en fait donc les paraboles et au lieu de raconter une histoire et à l'époque donc je ne trouvais pas intéressante. Et jusqu'au moment où Thomas m'a cherché et il m'a dit de, en fait, de faire l'illustration. Et j'ai compris en fait quelle est donc, la compréhension et que ce que voulait dire. Donc j'ai commencé à utiliser la traduction de Google pour lire la version française du Petit Prince. Et depuis donc, je commence à approfondir la lecture et je comprenais un peu plus de plus. Donc il m'a enseigné beaucoup de choses et beaucoup de principes. Donc à l'intérieur, il y a une phrase. Donc il dit qu'en fait, donc les yeux ne regardent pas, ne captent pas la réalité des choses et il faut utiliser le cœur pour sentir la réalité. Et tout ceci, donc lorsqu'on a grandi, beaucoup de choses ont caché nos yeux et beaucoup de choses. Donc, pour faire cette illustration, j'ai commencé à reprendre, en fait, le livre du Petit Prince. Merci. Donc, on a tous on a reçu ce livre qui est un texte et nous avons dû... I can't speak in English. So, all of us artists, we had this book in English, I mean in a text, sorry. And then we have to interpret by drawings and to make feel the what the meaning, what was the deep meaning of the text through drawings, through colors, and it was a difficult work without trying to be faithful to the original book but also making some interpretation, personal interpretation. Okay, thank you. Cédric, maybe you can do your presentation. So Cédric is a French illustrator, and he didn't work on the Little Prince book, but he worked on the life of the writer of the Little Prince, Antoine de Saint-Exupéry, who born in 1900, and not so many people knows his life, and so Cédric did this book with what's the name of the writer the Antoine de Saint-Exupéry. No, this one. Pierre Roland Saint-Dizier. Okay, so he's the one who did the scenario, and Cédric Fernandez did the drawing. So please, can you explain your work? Thank you. Donc, bonjour déjà à tout le monde. Alors, donc moi je suis Cédric Fernandez, je suis illustrateur des bandes dessinées Saint-Exupéry éditions Glénat, surtout en France, en tout cas en version française. Je vais vous montrer à peu près, je vais vous expliquer la façon dont je travaille, pourquoi je fais comme ça, et aussi les gens avec qui je fais ces albums. Donc là, pour le moment, ce sont les deux albums qui sont sortis. Les bandes dessinées sur Saint-Exupéry traitent, comme l'a dit mon collègue, de la vie de l'auteur et non pas du Petit Prince. Donc bien évidemment, le Petit Prince est jamais loin de son auteur. C'est-à-dire qu'on va très vite comprendre que ce que raconte Saint-Exupéry dans le Petit Prince, c'est en réalité un résumé de sa vie. Et nous, avec ces albums-là, en fait, on va mettre comme ça, par parcimonie, des petits indices sur les éléments qui vont amener à Saint-Exupéry à dessiner le mouton, la rose, etc. En fait, on montre que chacun de ces éléments a un sens dans la vie de l'auteur. Donc, y a un petit jeu comme ça aussi dans les albums. Et c'est intéressant de voir que justement, c'est sa vie à lui, quoi. Donc là, on a le tome 1
que vous avez sur votre gauche qui raconte plutôt la période aéropostale, début de ce côté aviateur. Parce qu'il faut savoir, enfin je ne sais pas si vous le savez, en fait je n'ai pas idée de comment est perçu Saint-Exupéry en Asie. En tout cas en France, c'est vrai que pour nous c'est quand même une légende. C'est, tout le monde a lu Le Petit Prince et tout le monde l'a chez lui. Tout le monde sait que Saint-Exupéry est un écrivain. Par contre, tout le monde ne sait pas tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et donc là, avec ces albums-là, nous, on retrace vraiment tout ce qu'il a pu faire dans sa vie. Donc le premier album, par exemple, commence par son début dans l'aviation, par rapport à l'aéropostale. Je ne sais pas si vous connaissez l'aéropostale, le principe. Donc en fait, c'était simplement, on acheminait, c'était le début de l'acheminement du courrier par avion. Avant, c'était le train, c'était plein d'autres choses, mais là, voilà. Et donc ça permettait d'acheminer le courrier bien plus rapidement que par bateau, que par train ou quoi. Et donc pour ça, l'aéropostale a ouvert des lignes. Et donc Saint-Exupéry a été l'un de ces hommes qui a ouvert ces lignes. Donc c'est-à-dire qu'il est parti, certains sont partis tout seuls à leur risque et péril, parce que c'était vraiment des lignes inconnues. Et ils ont, par étapes, créé une ligne postale, un chemin, et avec des arrêts. Voilà. Et donc, sur le tome 1, on est plutôt sur la période du début et de l'aéropostale africaine. Quand je vous parle des dangers, il faut savoir que on est juste après la Première Guerre mondiale et les avions qu'utilisait l'aéropostale à ce moment-là, donc ce qu'on voit là, c'est un Breguet 14, c'est un ancien avion de la Première Guerre. Ce qui veut dire que quand les Arabes voyaient ces avions-là survoler leur territoire, eux pensaient que c'était encore des militaires qui venaient faire la guerre. Donc il était assez fréquent qu'on leur tire dessus, en fait. Et en plus de ça, quand les avions se crachaient, souvent les tribus arabes capturaient les pilotes et après demandaient des rançons ou voire des fois les exécuter. Donc là, on est vraiment sur un vrai péril. Et on montre par rapport à cet album-là que Saint-Exupéry, c'était quelqu'un qui allait au bout de ce qu'il avait à faire, même s'il y avait du danger. Et ça faisait partie de son... sa façon d'être, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, de toute façon, vivait à fond les choses. On le verra un petit peu plus tard, mais c'est important d'avoir toujours ça en tête, parce que dans toute sa vie, quand il a fait quelque chose, il ne l'a jamais fait à moitié, quitte à prendre des risques. Et plusieurs fois, il a failli mourir, mais dans tellement d'occasions. Il a eu 9 crashs, 9 crashs d'avion. 9 crashs d'avion. Il est allé libérer justement des otages qui étaient capturés par les Maures. Donc les Maures, c'est les Arabes de là-bas. Sud du Maroc. Voilà. Et il n'était pas du tout sûr d'y revenir, en fait. Puisque lui pouvait très bien être capturé à son tour. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait, quoi ? Donc il y est allé avec toute sa diplomatie, puisqu'il avait déjà, ce sens de l'humain, ce sens de la diplomatie, ce sens de l'écoute des autres. On le montre dans cet album. Et lui arrivait à faire un lien avec ces tribus-là. Et c'est pour ça qu'en fait, il est resté plusieurs années là-bas, à Cap Juby notamment. Cap Juby, je vous le montrerai un petit peu plus tard. C'est un fort, un ancien fort qui a été une place d'atterrissage pour l'aéropostale. Et on l'a désigné comme étant plus ou moins le chef de cette section-là, parce qu'il avait ce contact avec les tribus, parce qu'il avait cette écoute, parce qu'il avait cette sensibilité, etc., que les autres avaient pas forcément autant que lui. Donc on est dans quelqu'un qui à cette époque-là avait déjà ce sens-là, quoi.
Donc je vous explique vite fait, rapidement, plutôt le tome 2. Le tome 2, on est plutôt, là on fait un saut dans le temps, et on est plutôt dans sa période new-yorkaise. Donc dans la période où on est sur la Seconde Guerre mondiale, avec donc le conflit qui est en Europe, et Saint-Exupéry qui, arrive aux États-Unis. À ce moment-là, il arrive à New York. Et en fait, il arrive à New York non pas pour fuir la guerre, puisque lui, au contraire, voulait défendre la patrie. C'était vraiment quelqu'un... Enfin, on l'a souvent... à cette époque-là, il y a eu une manipulation en France avec le régime de Pétain qui voulait le faire passer pour d'abord un collabo et ensuite un déserteur. Enfin, c'était assez particulier comme angle d'attaque sur le personnage. Mais lui, en fait, est pas parti pour ça. Il a presque été obligé d'y aller, mais par contre, il a continué son combat aux États-Unis. C'est-à-dire que quand je parle de combat, c'est-à-dire que il parlait à la radio, il continuait à écrire des livres sur le conflit notamment. Il écrivait des articles. Enfin, c'était quelqu'un qui restait engagé et qui essayait de convaincre les gens là-bas. De rentrer en guerre, en fait. Voilà, en tout cas, de soutenir le pays et de ne pas laisser faire ce qui était en train de se passer en Europe, c'est-à-dire la montée du nazisme, etc. etc. Lui, il croyait plus que les États-Unis viendraient sauver l'Europe. Il œuvrait, il allait voir les gens qu'il fallait pour essayer de les convaincre et tout. Il restait pas assis à rien faire. Et d'ailleurs, il a pendant longtemps. Parce qu'à cette époque-là, il commençait déjà à être âgé, en tout cas trop âgé pour voler, parce qu'il n'a jamais lâché l'aviation. Ça a été toujours l'une de ses passions depuis tout petit déjà. C'est-à-dire que quand il avait 13 ans, 14 ans, je crois, il a trafiqué un vélo avec des ailes qu'il a rafistolé pour essayer de voler un petit peu. Et puis après, il a fait croire à quelqu'un qui faisait des baptêmes de l'air qu'il avait l'autorisation de sa famille pour voler. Alors, il n'habitait pas loin de l'aérodrome. En fait, c'était pas vrai du tout. Et le pilote l'a pris en lui disant si t'as l'autorisation de tes parents, pas de problème et tout. Et en fait, il est rentré. Sa mère n'était pas du tout au courant. Du coup, ça a été bon. Il s'est fait un peu disputer et tout. Mais c'est pour dire que déjà à cet âge-là, tout petit, il avait déjà, il allait déjà au bout. Il y avait rien qui l'arrêtait. Quand il avait une idée en tête, il y allait quoi. Et là, voilà, c'est pareil. Et donc, sur la fin de sa vie. Lui, ça faisait un moment qu'il voulait retourner là-bas, piloter pour la France. Et donc, il a mis beaucoup de temps à convaincre l'armée. Alors là, pour le coup, c'était l'armée américaine, mais c'était un petit peu compliqué, mais c'est sur un avion américain qu'il était autorisé à revoler. Voilà, il est reparti en vol alors qu'il était déjà trop vieux pour voler. Il était cassé de partout aussi. Cassé de partout. Les militaires l'aidaient pour rentrer dans l'avion, même pour enfiler sa tenue parce qu'il n'y arrivait plus. Mais lui, il voulait y aller quoi. Lui, le plus important, c'était de défendre ses idées. Et défendre ses idées, c'était aussi défendre la patrie, tout ce qui était ce qui allait quasiment à l'encontre de ce qui était en Europe à ce moment-là, c'est-à-dire le nazisme. Donc bon, j'étais un petit peu long là-dessus, mais je vais aller un petit peu plus vite après, promis. Donc là, je vous présente un petit peu l'équipe de la bande dessinée en Europe, parce que ça, c'est plutôt des BD européennes. Vous voyez le format, je ne sais pas trop si vous avez ça ici. On travaille régulièrement à trois personnes. Donc on a un scénariste, là je l'ai mis au milieu, donc c'est lui, Pierre-Roland Saint-Dizier. Il est aussi journaliste dans la vie normale. moi vous m'avez reconnu, hein, c'est bon. Et celui qui est à droite, donc c'est Franck Perrault, c'est le coloriste de l'album, et c'est aussi un aquarelliste de France. Donc c'est-à-dire que c'est... ils sont 100, je crois. C'est très difficile d'y rentrer. Et lui, il fait partie de ces 100-là. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment très, très doué en aquarelle. Et j'ai voulu travailler avec lui parce que, justement,
l'aquarelle dans le travail de Saint-Exupéry, ça a son importance. C'est une technique douce. C'est vrai, quand on voit Le Petit Prince, il y a cette douceur qui est amenée déjà par le dessin, par cette ligne qui est très claire, presque naïve. Et il continue d'aller dans ce sens-là avec cette couleur qui est très douce, qui est apaisante. Peut-être que c'était en contradiction avec ce qui se passait aussi à ce moment-là. Peut-être qu'il y avait besoin de cet apaisement. Il le ressentait peut-être comme ça. Là, j'improvise un peu quelque chose, mais je ne sais pas ce que tu en penses. En tout cas, voilà, nous, on a voulu garder ce côté aquarelle pour toujours rester un peu dans la douceur, pour continuer un petit peu l'idée de... c'était quelqu'un qui allait au bout de ses envies, mais c'était quelqu'un qui écoutait les autres, qui avait cette douceur, qui avait... Enfin voilà, il y avait ça. On ne voulait pas quelque chose d'abrupt, on voulait vraiment quelque chose d'un petit peu... voilà, une douceur, quoi. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les étapes de mon travail sur Saint-Exupéry, puisque c'est une série qui est très historique. On travaille en collaboration avec des historiens. Donc, je n'ai pas le droit d'improviser. C'est pour ça que c'est une série qui me prend, chaque album me prend environ une année de travail. Et donc, je me base beaucoup sur de la photo. Donc là, je vous ai pris vraiment les éléments où je suis vraiment très très proche de ma documentation pour que vous voyez un peu jusqu'où on peut aller. Donc là, vraiment, voilà. Donc on a les photos d'archives de Saint-Exupéry et nous, donc moi, mon dessin avec la couleur de Franck, on travaille d'après ça et on essaye de rester vraiment très fidèle. Alors là, c'est des exceptions. J'ai pas non plus une quantité de photos énorme. Donc la majeure partie des plans dans la bande dessinée, c'est de l'improvisation. Mais je vais toujours me servir d'un costume, d'une montre. Par exemple, à chaque fois qu'on voit la montre de Saint-Exupéry dans l'album, c'est vraiment la montre qu'il portait. Quand on le voit notamment un petit peu plus loin dans une chambre d'hôtel, c'est la chambre d'hôtel dans laquelle il a vécu. Enfin, voilà, on est allé chercher, demander à l'hôtel de nous donner les photos d'archives de la chambre, etc. Et donc de même jusqu'à l'ascenseur qui était resté longtemps intact. Et donc on a réussi à récupérer les photos d'archives de l'ascenseur de l'époque. Donc on a dessiné l'ascenseur, etc. Donc on est vraiment, voilà, et les historiens regardent derrière, et quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils n'hésitent pas à nous le dire. Donc par exemple, les numéros, les avions ont un numéro pour les reconnaître sur les ailes et sur le côté. Et là, c'est les bons numéros. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se crache, il prend un autre avion, donc c'est un nouveau numéro. Et à chaque fois, l'historien nous dit, non, mais là, cette période-là, il se crache avec tel avion, donc il y a tel numéro, après il prend tel... Donc ça va jusque-là, quoi. Là, pareil, c'est d'autres lieux. Donc là, c'est plutôt sur le deuxième tome, donc la période américaine. Donc sur la gauche, on a l'immeuble où... il a vécu quand il arrivait à New York. Au milieu, on a l'hôpital de là où ils font les films, de Hollywood, où il a séjourné à un moment où il était alité. Et sur la droite, on a la maison d'un ami à lui où il allait régulièrement. Donc là, vous voyez, c'est pareil, hein, je suis resté très très fidèle aux images d'archives. Encore une fois, d'autres images, le crash. Donc bon, des fois, pour des raisons de lisibilité, de narration, je suis obligé de changer les angles, je suis obligé d'interpréter un petit peu. Mais voilà, on garde l'idée. L'appareil qui est sur la droite, c'est un appareil avec lequel il a volé et qu'il a fait des vols d'observation pendant la... P-38 Lightning. Ah, on peut s'arrêter un petit peu. Pas celui-là. Celui-là, c'est un Bloch, justement.
Mais sinon, on peut s'arrêter un petit peu sur le Caudron Simoun, là, qui est donc le crash qu'il a eu en Libye. Mm-hmm. Donc c'est à partir de ce crash, on peut dire que l'histoire du Petit Prince est née. C'était donc Saint-Exupéry avait l'intention de battre un record Paris-Saigon au Vietnam. Et il était très pressé de battre ce record. Donc il n'avait pas très bien préparé son voyage. Il était vraiment comme d'habitude un petit peu, c'est-à-dire pas très. Enfin, il était plutôt pressé de partir que de préparer. Et ils sont partis avec un appareillage qui était peut-être pas tout à fait au point pour faire un tel, pour battre un tel record. Non, puis je crois qu'ils n'avaient même pas assez d'essence, je crois. Oui, enfin surtout ils avaient bien rempli le réservoir et ils n'avaient pas pris beaucoup d'eau. Enfin, ils n'avaient pas pris d'eau du tout en fait. Hein. Quand ils se sont crachés, ils avaient pour dire en fait, on a retrouvé ça dans les notes du mécanicien très récemment. Il leur restait une demi-bouteille de vin et un demi-thermos de café. Il n'y avait pas d'eau. Et ils se sont crachés. Une orange et un petit peu de raisin, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Donc pas de nourriture, pas d'eau. Du vin un petit peu et du café, et puis au milieu du désert de Libye. Et cette image est l'une des plus connues dans tous les crashs qu'il a eu. Celle-ci nous montre effectivement. Alors, cette photo a été faite une fois qu'ils ont été retrouvés. Hein. Ça n'a pas été fait par eux, parce qu'eux pensaient qu'ils allaient y mourir. Ah oui, oui, et c'est là que l'inspiration du Petit Prince lui est venue, en se disant de toutes les façons, voilà, il ne me reste que quelques jours. Et c'est comme ça d'ailleurs que le livre du Petit Prince démarre. Par un crash d'avion dans le désert. Voilà. Voilà, donc quand je vous disais que le Petit Prince, l'histoire du Petit Prince, c'est la vie d'Antoine de Saint-Exupéry, eh ben, voilà, ça commence par là, le crash, qui est le crash au début du Petit Prince. Donc là maintenant, je vous montre vraiment les étapes de dessin. Donc ce que vous avez à gauche, c'est... On appelle le storyboard. C'est en réalité la même chose que ce qu'on fait pour un film. Pour un film, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais on a une étape de storyboard avant de pour savoir justement ce qu'on va chercher comme décor, où est-ce qu'on va mettre les caméras, comment on va habiller les personnages, etc. Souvent, on commence par un storyboard. Donc dans la BD, c'est pareil. Donc je commence déjà. Voilà, vous voyez, le dessin est plutôt sommaire. Là, on dirait que c'est plutôt quelqu'un qui a 4 ans qui a dessiné ça. 5. Parce qu'il est gentil avec moi. mais l'important, c'est surtout de placer les masses, la narration, et voilà, de voir là où il y aurait des failles, des choses à rattraper, etc. Les masses de noir... Donc là, vraiment, on dégrossit. Ça prend pas longtemps. Et surtout, je le fais sur des formats qui font 4 cm par 6 cm. Donc c'est vraiment tout petit. Voilà. Après... Le texte, il est, tu l'as avant. Ah oui, le texte, pardon. Le texte, je l'ai avant, bien sûr. Oui, comme un script. Là, comment ça vient, ça, en fait. Alors oui. Je vous ai pas mis un script en image parce que sinon... Déjà, en fait, j'avais pas le temps pour des problèmes techniques. Mais d'abord, on me fournit un script. Donc un script, c'est en gros comme le scénario d'un film. En fait, on part sur le même principe où on a un découpage avec des cases. Où, par exemple, je vais avoir case 1, une nuit dans le désert, un avion crashé de loin. Donc là, enfin c'est pas de nuit, c'est de jour d'ailleurs dans l'album. Mais on a l'avion crashé de loin. Donc en fait, c'est en pleine journée. Donc du coup, c'est plutôt la première case, c'est plutôt un soleil. Et voilà. Et celui qui fait le script, il te dit combien d'images il veut sur un texte ou c'est toi qui décides ? Alors souvent, il le suggère. Après, c'est vrai que moi, j'en fais un petit peu à ma tête. Et du coup, j'ai tendance à artiste. Ouais. Et j'ai tendance à redécouper les choses. Soit je fais plusieurs cases une seule, soit je surdécoupe son scénario. En fait, ça me permet soit de rallonger certaines scènes dans le temps. C'est-à-dire que plus on va avoir de cases, plus on va avoir une impression de longueur
à la lecture. Mm-hmm. Alors que si on fait ça en deux cases, on va avoir ce côté un petit peu rapide, abrupt. Donc moi, j'aime bien jouer un peu avec la temporalité comme ça, étirer des scènes, raccourcir certaines d'autres, enfin certaines d'autres. Pour moi, c'est important de donner un rythme au récit. Donc voilà. Après ça, on a le crayonné. Donc le crayonné, simplement, je vais reprendre les idées que j'ai dans mon storyboard et là, je vais dessiner au crayon, au papier. Donc je vais aller un peu plus dans le détail. Je vais essayer de faire le dessin le plus fini possible pour qu'après, à l'ancrage, j'ai plus à me poser de questions et que ça puisse aller tout seul. Parce que là, tant que c'est à l'étape de crayonné, je peux toujours gommer. Dès que j'ai commencé à travailler à l'encre de Chine, à ancrer, là après c'est fini, c'est définitif. Donc si jamais je fais une erreur, il faut que je refasse toute la page ou au moins toute la case. Mais là, c'est une perte de temps. Donc en BD, on a quand même une obligation de rendre les pages rapidement parce que les albums doivent sortir au moins tous les ans. Donc là, il faut réussir à travailler, trouver des moyens pour aller vite et pas refaire plusieurs fois les pages, ce qui retarderait l'album. Je reviens sur le texte. Il apparaît pas encore dedans. C'est-à-dire que tu l'as découpé, tu as les petits. Comment ça se passe dans la réalité, le texte? C'est vrai que là, je ne l'ai pas mis. Peut-être que je l'ai un peu plus loin. Non, je ne l'ai pas mis sur celle-là. Des fois, je le fais, des fois, je ne le fais pas. Normalement, je le fais. En fait, je dessine au moins l'encombrement du texte. Parce que la bulle, ça a son importance dans la narration. C'est-à-dire que selon où on va mettre la bulle, l'œil va s'y arrêter. Du coup, forcément, si je mettais toutes les bulles en haut, on regarderait plus ce qui se passe en bas. Ou alors, inversement, si je mettais toutes les bulles en bas de la case, on regarderait plus le haut. Ou en tout cas, l'œil irait trop vite et du coup, il n'aurait pas la perception du dessin qu'il a vu. Alors, dans la BD, on a l'inconvénient du fait que l'œil, en fait, passe. Je crois que c'est une moitié de seconde sur le dessin. Quand on lit, en fait, le lecteur dans la bande dessinée, il a plus une impression du dessin qu'une réelle visibilité. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se rend même pas compte, mais il ne regarde pas vraiment le dessin. Alors après, il y revient des fois. Parce que une BD, c'est un peu un objet d'art quand même. Donc souvent, les lecteurs refeuillettent le livre après, une fois l'avoir lu. Mais dans un premier temps, on lit un peu comme justement à la vitesse d'un film ou d'un roman quand on va raconter. Et on ne va pas s'attarder sur le dessin, même si le dessin va être très beau ou avoir mis deux semaines pour être dessiné, en fait, on va passer dessus très très vite. Je ne sais plus pourquoi j'étais... Ah oui, les bulles, coup, oui. Voilà, c'est coup, où on met les bulles, voilà, enfin, à quel coup, moment tu les places. Quoi. Et du coup, les bulles, ça va me servir à marquer des temps d'arrêt par rapport au regard du lecteur. Donc, là où je vais mettre les bulles, c'est là où je veux diriger le regard du lecteur. Des fois, par exemple... Dans le scénario, j'ai une phrase qui est écrite, parce que j'ai déjà le texte qui est écrit dans le scénario, et j'ai une grande phrase qui est écrite. Généralement, le scénariste me fait un bloc, et moi je me dis, un bloc comme ça de texte, c'est un peu lourd, et puis j'ai une grande image. Ce serait peut-être intéressant de fractionner le texte pour avoir déjà le regard qui va un peu chercher dans toute l'image. Donc, si je dispatche mes bulles le long de ma case, le regard du lecteur va prendre le temps de faire tout un chemin de lecture. Donc, c'est assez complexe comme idée, mais voilà. Et le troisième intérêt, des fois, de rallonger, de surdécouper le texte, c'est que je vais avoir des points d'impact de blanc. C'est-à-dire que la bulle, c'est un moment isolé un peu dans la page. Donc c'est un moment qui est c'est du blanc. Et le blanc rythme aussi. C'est un non-dessin, mais finalement qui contribue au dessin. Donc c'est important aussi de le penser. Là, c'est bête, j'aurais dû... tu as bien fait de me le faire remarquer.
c'est vraiment la bulle à son importance. Donc c'est vrai que c'est intéressant de la faire apparaître déjà, de l'anticiper déjà ici, à ce niveau-là, au storyboard en tout cas. Puis après, forcément, dans les étapes suivantes. Donc on va un peu plus loin. Là, on est donc sur l'image de gauche, on est sur l'ancrage. Alors là, moi, j'ancre sur mes pages, font à peu près 50 par 70. Donc c'est quand même des pages qui sont assez conséquentes. Ça permet, en fait, on travaille régulièrement en plus grand pour qu'après, quand on arrive au résultat final, la réduction donne souvent plus l'impression de détail et même des fois cache certaines erreurs ou quoi. Donc nous, ça nous permet, voilà, au niveau, ça lisse le trait, ça fait plein de choses. Et en plus, travailler en plus grand, ça donne une certaine aisance à la main. Moi, j'aime bien avoir, on le voit là, des grandes courbes, travailler un peu, des choses un peu en douceur et tout. Et si on travaille en trop petit, ça va être difficile. Il y en a qui arrivent. Hein. Moi, j'ai un petit peu de mal. Donc, j'aime bien prendre un peu, être dans la gestuelle quand je dessine. Donc, je ne passe pas beaucoup plus de temps. Voilà, j'ancre à l'encre de Chine. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter ce que c'est. Donc, l'image suivante, c'est la mise en couleur. Donc, vous voyez, quand je vous disais que le coloriste avec qui je travaille, c'est un super aquarelliste et qui sait très bien travailler la lumière, là, on en a une vraie preuve sur cette image-là. Pour de la bande dessinée, on est vraiment sur un niveau qui est costaud, surtout la grande case où voilà, il y a ce fondu, là, cette perspective atmosphérique avec le bleu qui part derrière, il y a un jeu de texture et tout. Ça, c'est faut déjà avoir un sacré talent pour savoir faire ça. Donc moi, je suis très très content de travailler avec lui. Puis en plus, c'est un ami de longue date, donc du coup, on s'entend bien. Voilà. Et depuis, d'ailleurs, je continue à travailler avec lui sur toutes les séries que j'ai signées. Je l'ai pris avec moi. Et voilà, on fait une équipe depuis maintenant quelques années, donc on est content, on reste comme ça. Là, c'est une autre page, donc je vais passer dessus rapidement hein, pour ne pas vous refaire le speech. Donc, le storyboard, le crayonné. Donc là, on est sur une scène là où il part en avion, il fait... Il y a un cut un peu de différentes séquences, donc ça va un peu vite. Hop, l'ancrage et la mise en couleur. Donc on voit que la mise en couleur, ça a vraiment de l'importance là-dessus. Ça amène vraiment quelque chose en plus, un ressenti que le noir et blanc aurait du mal à avoir tout seul. Donc là... En fait, je vous ai juste isolé certaines cases où on voit différentes facettes du personnage de Saint-Exupéry. Donc, Saint-Exupéry, c'était un humaniste. C'est quelqu'un qui allait vers les gens. C'est quelqu'un qui prenait le temps de comprendre les autres, leur façon de penser, leurs croyances aussi, beaucoup. Puisque quand il était justement en Afrique... Il allait vers les autres en essayant de comprendre. Voilà, il était pas, il restait pas buté sur ce que lui pensait, etc. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de comment je pourrais dire. Il aimait les femmes. Et donc là, c'est avec Consuelo, donc sa femme. Mais il n'a pas connu que Consuelo, quoi. Donc, je vous laisse. Ouais. Je ne sais pas si j'ai besoin d'aller plus loin. Livre. c'était aussi sa passion, c'était l'aviation. Lui, il se sentait, dans plusieurs de ses bouquins, notamment dans Terre des Hommes, il l'explique, lui, il se sent bien quand il est en l'air. C'est pas une perche avec une allégorie avec le côté il aime les femmes. Hein. Ça se pourrait, mais lui, vraiment, en fait, dans Terre des Hommes, il explique que le fait d'être dans les airs,
ça lui donne un autre point de vue sur l'humanité et sur la terre qui la porte. Et dans ce sens-là, sa réflexion, enfin voilà, toutes ses pensées, tout, il se base aussi là-dessus, le fait de prendre de la hauteur. Souvent, quand il volait, il réfléchissait. Des fois, il prenait même des notes. Voilà. Enfin, après, les vols étaient longs. Et puis, souvent, il survolait des déserts, donc il n'y avait pas grand-chose. Et des fois, souvent aussi des mers. Donc, il y avait encore moins de choses à regarder. Et des fois, il ne voyait rien. Donc, lui, il partait. Des fois, il explique à un moment donné qu'il voit des étoiles. Il ne sait pas si c'est un phare, si c'est des étoiles. Et puis... mais il voit que ça, il voit qu'une lumière, tout le reste c'est noir. Il ne sait pas où est la mer, il ne sait pas si c'est la mer, si c'est la terre, il ne sait même pas où il est perdu. C'est pas son copilote, c'est son mécanicien qui est à côté de lui, qui ne l'aide pas parce que lui il dort. Il se réveille de temps en temps, mais après il dort. Et en fait il voit cette lumière, et cette lumière, voilà, ça lui fait, il part dans des pensées avec cette lumière. Et toujours pareil, là, le côté étoile, petit prince, peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Mais c'est certain, les étoiles sont omniprésentes dans le petit prince, mais dans ses textes aussi. Et c'est la seule chose qu'il peut voir quand il fait un vol de nuit. Il n'a que les étoiles pour se diriger. Les outils de navigation ne sont pas très développés à l'époque. Il n'y en a même pas du tout au départ. Ouais, les radios tombent souvent en panne. Voilà, et finalement, d'ailleurs, le crash qu'il a sur le parcours Paris-Saigon, vient du fait que son altimètre est tombé en panne. Ils pensent qu'en fait, ils sont assez hauts. Mmh. Et puis, ils se rendent compte quand ils tapent la dune qu'en fait, non, pas du tout. L'altimètre leur indiquait une hauteur qui n'était pas la bonne. Et ils étaient en rase-motte la nuit dans le désert, quoi, tout simplement. Et c'est juste un miracle qu'ils s'en soient sortis. Parce que là, qu'ils n'ont pas pris la dune de plein fouet et qu'effectivement, ils ont pu faire un atterrissage sans être blessés même. Mais les étoiles sont omniprésentes effectivement dans la vie de Saint-Exupéry et bien sûr dans le livre du Petit Prince, elles sont à toutes les pages. Voilà. Donc après on a l'écrivain aussi et après on a la dernière image, c'est plutôt quelqu'un qui va vers les autres, vers les hommes, enfin voilà, qui ouvre la discussion, etc. Saint-Exupéry, c'est aussi les grands espaces. Lui, il aimait même être tout seul. Il aimait regarder les choses à un moment donné. Justement, il doit être en panne, je crois. Et puis, il est sur un plateau et il regarde les étoiles, il regarde les cailloux et il est tout seul. Et en fait, il se dit qu'en fait, il a de la chance. Mais comme dans son crash, quand il pensait qu'il allait mourir, à un moment, il se dit bah, en fait, j'ai de la chance parce que je suis tout seul. Je vois tout ça. Et j'ai peut-être conscience que la vie, c'est pas que les choses artificielles, dont sont faites les villes, etc. Peut-être que, voilà. Et lui, il aimait tout ça. Il aimait le fait d'avoir des grands paysages qui lui laissaient le temps de penser, découvrir des choses, parce que c'était vraiment un aventurier. Donc ça fait partie de... D'ailleurs, il partait, il a fait... Je ne sais pas combien de kilomètres il a fait, mais... Là, il est en Amérique du Sud. Hein, sur la cordillère des Andes. Ouais. Bon, là, c'est encore d'autres images. Là, on est plutôt sur le Petit Prince. C'est juste quelques images pour montrer que, par exemple, le chien qu'on voit là, qu'il est en train de caresser, en fait, c'est le chien de son éditrice. Et tout le monde l'appelait le mouton. Le mouton. Donc c'est de là que les moutons ont été inspirés dans Le Petit Prince. C'est un caniche en fait. Voilà, c'est un caniche. Et donc à un moment, il dessine chez lui et il y a son éditrice qui vient le voir et il lui dit, vous voyez, j'ai mis votre caniche, je ne me souviens plus de son nom, j'ai mis votre caniche dans mon bouquin. Et donc en fait, il avait dessiné un mouton. Donc, c'est vraiment le mouton, c'est le caniche. La rose, c'est Consuelo, parce que Consuelo, elle est magnifique, elle est très belle, mais par contre, elle a des épines. Donc, elle a un sacré caractère. Consuelo, elle vient d'Argentine.
elle a le sang chaud, quoi. Donc, elle avait du répondant, elle ne se laissait pas faire, et lui aussi ne se laissait pas faire. Ils avaient tous les deux leur caractère, du coup, ça pouvait monter très loin. Et, mais voilà, il tenait à elle plus que tout, et donc c'est sa rose. Et le renard, c'est un fennec, donc un renard du désert, qu'il avait réellement apprivoisé quand il était dans le désert, à Cap Juby. Donc le renard vient du fennec. Donc voilà, tout se met en place. Je vais pas tout expliquer parce qu'après sinon je vous laisse quand même un petit peu découvrir. Et là on arrive sur la fin. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Voilà, merci. Merci Cédric. Cette présentation. Donc là maintenant on va passer aux questions-réponses. Si certains d'entre vous souhaitent poser des questions, donc Aria, Michel ou Cédric. Voilà, peut-être un micro qui se balade quelque part. Je ne sais pas. Ah, oui, il arrive. Alors, en attendant le micro, Cédric, là, donc, il y a eu deux livres qui ont été faits donc, sur la vie de Saint-Exupéry. Ça, c'est le tome 2. Mm-hmm. J'ai ici, tu as le tome 1 ici, voilà. Ils n'ont pas encore été traduits en chinois, hein, je crois. Hein. Non, pas encore. Et en anglais, c'est en cours. C'est en cours. C'est en cours, d'accord, ok. Très bien. Est-ce qu'il y aurait un troisième volume qui serait en préparation ? Alors oui, on est en train de travailler dessus, là. Alors, comme je vous disais, le tome 1, c'est le début de sa carrière dans l'aéropostale. Le tome 2, c'est sa période américaine jusqu'à sa mort. Donc, le tome 3, en fait, on va revenir sur la période aéropostale Amérique latine. Donc on a vu une case tout à l'heure avec l'avion qui survole la cordillère des Andes. En fait, on va développer ça. Il y a un grand moment qu'on n'a pas traité justement entre les deux albums. Et là, on va revenir dessus. Et puis, on n'en fera plus d'autres après. C'est fini. Après, on aura à peu près tout dit, quoi. Très bien. On a le micro ? Ok. Est-ce qu'il y a des... Anybody would like to ask question to Aria, Michel or Cédric? Or Arnaud? Eventually. Okay. Okay, so no question. So everything is clear. Good. So you did some work before live. You want to continue or? Sorry. Oh, Michel, you would like to add something? No, I'm fine. I'm fine. You said everything you want to say already. 大家有冇咩问题啊？可以随便问噶喎。We have one question over there. Hi, Cedric. I would like to know that just from the introduction of your profiles, we know that you. Yes, we know that your words most likely about the aeronautics. So, do you have a moment that you would like to also become a pilot? Alors, oui, j'ai même commencé à prendre des cours de pilotage. Pour être honnête, j'ai arrêté parce que c'était trop cher. Mais oui, ça m'intéressait. Ouais. En fait, ça m'est pas venu tout de suite. J'ai commencé à travailler sur des BD qui parlent souvent d'avion parce que c'était un éditeur qui m'a fait une commande au début sur ma première série. Et après, les livres s'étant bien vendus, les autres éditeurs en fait ont pris un peu le créneau et se sont dit, bon, bah, lui, il a un public, donc on va continuer à lui faire faire des BD d'aviation. Mais, heureusement pour moi, sur la mesure, je me suis intéressé quand même au thème, et du coup, effectivement, j'ai pris des cours de pilotage, maintenant je vais dans des meetings, etc. Donc, ça compte quand même pour moi, maintenant. Même si, là, en ce moment, je suis en train de travailler sur une bande dessinée qui est pas une BD d'aviation, justement, parce que j'ai aussi besoin de prendre un petit peu de distance avec ça pour pas tourner en rond non plus. Voilà. Sinon, c'est un peu compliqué, quoi. Une autre question ?
En fait, c'est la première qui est dure à démarrer. Oui, c'est ça. In your presentation, you mentioned that The Little Prince is a very important publication in France. I'm just curious, when you do the illustration for the life of Saint-Exupéry, can you share what are the reasons why it is so important for people in France? Just curiosity. Mais je pense que Saint-Exupéry, ça a été quelqu'un qui a été très très connu avant même Le Petit Prince, puisque lui en fait n'a pas vu sa sortie. Il a vu le bouquin édité, mais il n'a pas vu vraiment la sortie du livre. Mais par contre, il était déjà très connu de par ses écrits, justement Vol de nuit, Terre des hommes, etc., qui sont non seulement des romans, mais quand même des œuvres philosophiques. Et je pense qu'il a déjà marqué son époque avec ça. Ensuite, bien évidemment, Le Petit Prince a cette universalité qui fait que ça touche absolument tout le monde. Et je pense que... je crois qu'en fait, c'est presque une évidence. C'est-à-dire que quand on lit Le Petit Prince, on ne peut pas passer à côté, quoi. Alors, selon l'âge qu'on a, on va peut-être rater quelques éléments. Voilà, je ne vais même pas dire lesquels, parce que si jamais il y en a qui sont trop jeunes, je sais pas. Mais en tout cas, on va comprendre le principal. Et c'est quand même, l'un des rares livres où n'importe quelle culture comprend le même message sur un même livre. Moi, je le vois comme ça, mais après. This book is very spiritual. It's not just a story. It's really spiritual, and this spirituality is really universal. It's not linked to any religion. Something like, is outside of religion, outside of the culture, outside of age, outside of background. I mean, educational background. You can be poor, you can be rich, you can understand it. But for France, I think it's because Antoine de Saint-Exupéry is a hero. Maybe also because he died as a hero. We never recover his body. What we did, we recover his bracelet about 20 years ago. And it was not where we want to find... I mean, he was not supposed to crash his plane at this place in front of Marseille. He was supposed to be on the east of France, southeast of France, so very far from the place where we found the bracelet. And from this time, even we didn't want to find the plane. So for 10 years after we found the bracelet, for 10 years we didn't make any research for the plane. We knew where it could be, but nobody were allowed to look for it. So it's like a hero who disappear in the space, with the stars. But finally, we found the plane. Huh? Just to tell you, huh? We found a plane which is not the plane of Saint-Exupéry. It's very strange. We found a plane for the story. We found a plane. The diver who knew where was the plane, who got the authorization to find it, came down. Catch a engine of a plane, and when they clean up the engine, they found it was an engine of Messerschmitt, I think. It's a plane of a German plane, who was belonged to a prince, not the little prince, but a big prince, a prince of Germany. There is a very strange story about this prince, because they found French doctor found the body, and when they found the plane of this German pilot, who was a prince. So finally the doctor said, oh, but I found a body, and they take back this body from the earth where it was inhumated. And then the family, the German family, could make a ceremony about this. So instead of finding the little prince, they found a German prince. There is a lot of story around The Little Prince. It's amazing, really amazing. Any other question? Yeah, oh, okay. We have one, two, yeah, okay.
Bonjour, je poserai la question en français. Quelle partie de la vie de Saint-Exupéry vous inspirez le plus? Il était auteur, il était pilote. Quelle partie de sa vie vous inspiré le plus? Moi, j'aime l'auteur. Alors oui, ça peut paraître bizarre parce que je fais que des BD sur les avions, mais vraiment, ses écrits m'ont vraiment apporté beaucoup de choses, notamment Terre des Hommes, qui est plein de réflexions sur l'humanité, sur plein de choses, et je trouve que c'est vraiment ça mérite d'être lu. Après, il y en a plein d'autres, Vol de nuit, et enfin, tous ces romans sont vraiment superbes. Mais voilà, et presque, je suis presque plus touché moi par ces romans que par Le Petit Prince. Alors, Le Petit Prince, j'adore aussi, hein, c'est pas. Mais c'est vrai que, enfin. En plus, c'est un peu bête parce que dans ses romans, il exprime déjà ce qu'il va exprimer dans Le Petit Prince après. En fait, simplement, les idées sont plus développées dans ses romans que et dans Le Petit Prince, c'est un petit peu condensé. Condensé, voilà. Il a mis des images, enfin, il a fait des dessins dans Le Petit Prince qu'il n'a pas mis dans ses livres. Ouais, il a réussi à synthétiser des années de réflexion dans un petit livre et tout en gardant le sens et la force. Quand même impressionnant. Alors, ce qui est différent, moi je connaissais bien les livres de Saint-Exupéry, puis quand on m'a demandé de faire l'exposition du Petit Prince avec des sculptures, je me souvenais plus du tout du Petit Prince dans le texte, par contre je me souvenais que des dessins. Donc finalement les dessins avaient une force au niveau inconscient beaucoup plus puissante que le texte, quand on le lit quand on est enfant. Finalement, on ne comprend pas grand chose, mais on aime bien parce qu'il y a les dessins avec. Et puis quand on devient adulte, on se souvient des dessins et là on se remet dans le texte. Et puis tout le sens du texte nous vient par rapport à notre expérience de vie d'adulte. Et puis le livre nous rappelle bien une chose, c'est que tous les adultes ont d'abord été les enfants, mais peu seulement s'en souviennent. C'est comme ça que démarre le livre du Petit Prince. Et c'est un petit peu ça en fait. Le Petit Prince, c'est un petit peu un rappel justement de nos rêves d'enfant et qu'est-ce que nous voulions être quand nous étions enfants et qu'est-ce qu'on est devenu aujourd'hui. Et puis c'est un petit peu de nous rappeler que peut-être nos rêves d'enfant n'étaient pas si idiots que ça et qu'il serait peut-être temps de s'en préoccuper et de les vivre. Et c'est ce que Saint-Exupéry, lui, il a fait. Il a vécu ses rêves d'enfant. Il a pris le risque, quand il était enfant, il a pris le risque de faire un baptême de l'air qui s'est bien passé pour lui, à part peut-être à la maison, je ne sais pas. Je pense que ça a été un peu chaud pour lui. Mais par contre, les deux pilotes qui l'ont emmené pour faire son baptême de l'air, eux sont morts parce qu'eux, ils avaient aussi un rêve, c'était de voler. Et puis, il y a eu un an après, une de leurs expériences de vol s'est mal passée, ils en sont morts. Tous les pilotes de l'époque, mon grand-père était pilote de la Première Guerre mondiale, il s'est engagé aussi à 16 ans, il a volé avec Saint-Exupéry. Et ces gens, en fait, quand ils montaient dans leur avion, ils allaient réaliser un rêve, mais par contre, ils ne savaient pas du tout si le rêve n'allait pas finir en cauchemar et s'ils n'allaient pas finalement mourir au lieu d'atterrir. Et ça leur donne une valeur à la vie, à chaque moment, qui est très intense. Et si on regarde dans la vie de Saint-Exupéry, on dit qu'effectivement, il a eu effectivement pas qu'une seule femme, mais en même temps, à chaque fois qu'il allait dans une mission, il n'était pas du tout sûr d'en revenir, il n'était pas du tout sûr d'être vivant demain. Et tout ça lui a donné aussi beaucoup de force dans ses relations amicales avec ses amis, était vraiment fondamental dans sa relation quotidienne. Et puis, il va tous les perdre les uns après les autres. Et lui, une fois que Guillaumet, le dernier pilote de la TECOER, enfin de l'aéropostale, va mourir, il dit « J'ai perdu mon dernier ami, je n'ai plus rien sur Terre qui me retient. » Bon, après, il fait le dernier vol avec son P-38
D'ailleurs, il était vraiment dépressif à la oui. fin. La période américaine était très, très dure pour lui, puisqu'il avait perdu justement tous ses amis et il y avait la guerre. On ne voulait pas qu'il y retourne. Donc, c'est pour ça que longtemps, il y en a qui ont émis l'hypothèse que Saint-Ex se serait suicidé. Parce que Il ne s'est pas suicidé réellement, mais disons qu'il s'est laissé abattre. Mm. Le pilote allemand qu'on a retrouvé finalement, qui était vivant quand on l'a retrouvé il n'y a pas tellement longtemps, maintenant il est mort. Hein, mais il est mort très peu de temps après d'ailleurs avoir donné son témoignage. Il a regretté profondément d'avoir abattu Saint-Exupéry parce qu'il l'admirait comme beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui a été effectivement très touché par cette mort. Toute sa vie, il a regretté d'avoir tiré sur cet avion, qui était un avion d'observation, et qui n'a pas voulu s'échapper devant l'ennemi, en fait, alors qu'il avait une puissance de moteur cinq fois supérieure. Il pouvait monter à la verticale quasiment, il pouvait vraiment s'échapper. L'Allemand dit « oui, mais j'ai tiré à côté, il n'est pas parti, et puis bon, après, on est en pleine guerre, voilà. J'ai abattu l'avion et j'ai regretté quand j'ai entendu les informations le soir que Saint-Exupéry n'était pas revenu de son observation dans son P-38. J'avais abattu un P-38, je savais qu'est-ce que j'avais fait. Mais par contre, il l'a raconté à personne. Il a attendu qu'on l'appelle, mais des années après, c'est tout récent, hein, cette révélation. Une autre question ?補充翻就係其實大會準備咗十本小王子嘅 free copy 嘅，咁所以如果頭先問過問題嘅人，你哋可以之後嚟翻呢度攞翻個小王子。I want to raise my question in Cantonese. Okay.En réalité, donc à Hong Kong, donc je vais faire un partage déjà. Lorsque Hong Kong, on touche toutes ces illustrations concernant l'aviation ou de carton, en fait, ça vient du Japon. Donc, les bandes dessinées connues sont autour des batailles. Donc à Hong Kong, en fait, donc nous imaginons que nous souhaitons faire des hôtesses ou des aviateurs. Donc au Japon, donc nous regardons lorsqu'on était petit, on regardait donc les bandes dessinées de japonais. Donc, ces œuvres récentes de concevoir les avions, je voudrais poser la question. Est-ce que tous les deux, vous avez déjà regardé ou vous avez des avis, des opinions sur ces œuvres? Et par ailleurs, donc j'ai encore une question, je ne me rappelle plus la question. OK. Je dois avouer que je crois que j'ai lu une BD japonaise avec des avions, il y a longtemps, et je m'en souviens très peu. Mais c'était un manga sur la Seconde Guerre mondiale, je crois, avec des P-0. Les zéros, ouais. Donc, en fait, nous, en Europe, on reçoit les mangas les plus connus comme Dragon Ball, Naruto et tout. Et on reçoit beaucoup moins les mangas qui traitent d'avion. Ça commence un petit peu. Il y a quelques mangas qui commencent à arriver, manga ou mangwa, ou enfin, les autres nationalités. Ouais, moi j'en ai lu un et voilà, il faudrait que je me penche un peu plus dessus, c'est vrai. Et vous, en fait, vous recevez pas de BD européenne quasiment? Non? Des comics peut-être? Des BD américaines?
Oui, un peu plus. D'accord. Il y a une question juste à côté de la dame en rouge. Vous avez une question ? Good evening. Yeah, good evening. Yeah, it's such an interesting and lovely night to have all our friends here in Hong Kong. Well, thank you. It's you've talked so many interesting things about author and your experience with this book. Besides this little princess, I'd like to know what's your new project. a lovely princess, or what's your plan in the near future? Thank you. Alors, pas de petite princesse, mais les projets professionnels, comme on le disait tout à l'heure, il y a le tome 3 de Saint-Exupéry. Là, je réalise aussi une autre série sur l'aviation qui s'appelle Les Faucheurs de vent. Je ne l'ai pas pris avec moi, mais je crois que je l'ai aperçu quelque part. Et je travaille aussi sur la reprise d'une série qui est très connue en Europe, il y a peut-être une traduction ici qui s'appelle Les Forêts d'Opale. Alors je ne sais pas comment serait traduit le titre en hongkongais. Mais voilà, je travaille sur trois albums en même temps là. Puis après, bon, j'ai plein d'autres projets, mais c'est le temps qui me manque. So, if there is no more question, one more question here, okay. After my question is actually for the illustrator, because you need to get into the mind of the writer in order to illustrate. Would that lead you to actually have your own writing and illustrate it yourself? You know, because you have to, it's still other people's idea when you illustrate. So, does it grow like an urge for you to actually write something so that you know the mind of yourself and then illustrate? So I was just thinking if that's such a dynamic in your mind as well. Thank you. La question n'était pas que pour moi, je crois, non? Donc on va peut-être commencer par les filles. Please. Vous n'avez pas suivi. Merci de votre question. En fait, c'est vrai. Donc, lorsque je suis en train d'illustrer, en fait, dans votre esprit, il y a des mots qui s'expriment via ces dessins. En fait, donc, je considère qu'on peut utiliser la poésie ou les dessins pour, comme exemple. Donc, l'encre chinoise, à côté, il y a des dessins et la poésie, le poème à côté. Donc, combiner les deux donne un sentiment très fort. Donc, en tant qu'illustrateur, donc, il y a des phrases qui sortent de l'esprit lorsque je fais de l'illustration. Aria? Donc, je vais poser une question sur les illustrations locales. Aria, lorsque vous êtes en train de faire l'illustration, est-ce que... Donc, il y a plusieurs versions déjà sur le Petit Prince déjà. Comment vous avez fait pour la façon d'illustrer ou de dessiner différemment? Comment le faire sortir ce livre-là avec votre façon d'illustrer? Donc, merci de votre question. En fait, donc en réalité, à Hong Kong, il y a plusieurs différentes versions chinoises du Petit Prince, mais la plupart, ces livres-là se sont basés sur l'original, mais les couleurs sont des couleurs un peu plus fortes, un peu plus solides. Donc, lorsqu'on regarde la
la copie d'origine, en fait, il utilisait la couleur plutôt jaune. Et les versions de Hong Kong utilisaient donc une copie indirecte et uniquement. Par exemple, la couleur du vêtement du Petit Prince est jaune et vert. Donc, ils utilisaient peut-être un bleu ou une couleur différente pour rendre plus de l'attrait pour ce livre. Et la version cantonaise du Petit Prince essaie de suivre, en fait, le livre d'origine et on s'inspire, en fait, les couleurs du livre d'origine. Donc simplement, c'est que la façon dessinée ou mélange d'ancrage et de la peinture à l'eau. Donc par exemple, sur une planète, on utilise plusieurs couleurs. On sait utiliser différentes couleurs. Donc, pour enrichir et renforcer l'attrait du livre. So let's give a round of applause to our speakers. Thank you all for sharing such an inspiring speech.